Bonjour Ivoirien, Ivoirienne, bonjour Africain, Africaine, bonjour amis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'arriver à la conclusion d'une longue histoire. Une longue histoire faite de doutes, d'espoir, de désespoir, de larmes, de frustration, de colère, d'impuissance. Nous sommes en train de nous acheminer vers la conclusion d'une longue histoire et le début d'une autre histoire. J'ai utilisé la chanson de Ayidissa, qui est une chanteuse de ma région, du Gbokelé, de Sassandra précisément, mais elle a beaucoup de ramifications dans la région. Et la chanson que j'ai utilisée, à l'intérieur de celle-là, elle parle de la mort de sa mère. Elle demande à la mort, « Qu'est-ce que je t'ai fait ? Et tu m'as pris ma mère. » Mais toi, la mort, depuis que le monde est monde, tu ne fais que manger les gens. Je croyais que ces gens que tu prenais là, ces corps dont tu te nourrissais, t'auraient donné de l'embonpoint. Je croyais que normalement, tous ces gens que tu as mangés t'auraient donné de la graisse, mais tu es toujours aussi sèche que le début. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'arraches ma mère? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'arraches mes proches? J'ai choisi cette chanson de Ayidissa d'abord parce que je connais la signification de ces chansons, mais cette chanson se prête au message que j'ai envie d'envoyer. Et ce message, je l'adresse au président Laurent Gbagbo. Président Gbagbo, Papa Gbagbo, icône des temps modernes, merci beaucoup pour les leçons que tu nous as données. J'ai un peu chaud, je vais m'éponger le visage. Excusez-moi, hein, mais je ne vais pas me présenter à vous avec un visage aussi brillant de choses. Donc, président Gbagbo, merci beaucoup. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour ces leçons de ténacité et d'idéologie inébranlable. Votre mère a rendu son dernier souffle très loin de vous. Par la faute des hommes, peut-être, mais c'était sûrement le plan de Dieu. C'était votre chemin de vie. Et vous l'avez parcouru avec stoïcisme. Vous êtes un exemple pour nous. Merci beaucoup, icône des temps modernes. Mais chez nous, je ne vous apprends rien. Même quand on revient après 20 ans, on peut faire des funérailles. Votre mère, vous allez la pleurer comme un enfant pleure sa mère. Nous allons vous accompagner. Je commence. En même temps que je pleure votre mère à travers cette chanson, je vous souhaite la bienvenue sur la terre de vos ancêtres. J'anticipe. J'anticipe. Normalement, je devais avoir une mine sérieuse parce que le sujet dont je parle est assez sérieux, mais en même temps, il est teinté de joie parce que nous sommes arrivés au terme d'une histoire, d'un chapitre, d'un autre chapitre de votre glorieuse vie. Merci beaucoup pour tout. Bienvenue chez vous, sur la terre de vos ancêtres. Ayidissa dit aussi dans cette chanson que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour rendre témoignage. Vous avez vécu assez longtemps. Les gens avaient prévu votre mort. Ils avaient programmé votre mort. Mais Dieu n'avait pas signé le décret pour que vous rendiez votre dernier souffle loin de la terre de vos ancêtres. Je profite aussi de ce message pour faire un clin d'œil à Charles Blé Goudé, votre co-détenu, qui lui aussi a perdu des êtres très chers loin de lui, ses deux frères, dont il n'a pas pu suivre les obsèques. Courage à vous qui nous avez démontré, qui nous avez montré l'exemple, qui nous avez montré la voie à suivre. Je me suis mise en blanc. On sait ce que signifie la couleur blanche chez nous, le linge blanc. Je tenais à faire cette vidéo-là aujourd'hui, je voulais la faire aujourd'hui, 30 juillet. Compte tenu de l'importance de l'actualité relative au président Gbagbo. Donc, je ne pouvais pas attendre demain.
J'aurais pu faire ça le matin, il ferait un peu plus frais, mais je ne pouvais pas attendre. J'étais trop impatiente pour envoyer ce message. Et donc, bienvenue, Président Laurent Gbagbo, sur la terre de vos ancêtres. Nous séchons avec vous vos larmes, les larmes que vous allez pouvoir couler enfin sur la tombe de votre mère. Les êtres humains peuvent poser des actes aussi méchants les uns que les autres, mais ils n'ont pas le dernier mot. Ce n'est pas eux qui ont la signature pour la perte du souffle de vie. Voilà pourquoi vous êtes encore là. Voilà pourquoi vous êtes encore là. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné la Côte d'Ivoire dans ce périple. Merci beaucoup à Aïdissa pour ta belle chanson qui traduit ce que les questionnements qu'on se fait. Mais c'est bien que ce soit l'enfant qui enterre sa mère et non le contraire. Bienvenue sur la terre de vos ancêtres, Président Laurent Gbagbo. Bienvenue sur la terre de tes ancêtres, mon frère, mon petit frère Charles Blé Goudé. Bisous à tous et puis nous allons entamer un autre chapitre de notre histoire commune, l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a encore beaucoup de merveilles à présenter au monde. Merci à vous tous qui venez des autres pays, qui nous avez encouragés, qui nous avez accompagnés dans ce combat que finalement, grâce à Dieu, nous avons gagné. Je vous aime très fort et la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Bye.